Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu les mecs, aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé qui devrait s'engager avec le Real Madrid. Mais comme d'hab, les frérots, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment les mecs pour le soutien, on est déjà plus de 27 000, c'est énorme. Et nous les frérots, on est parti pour parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Mbappé au Real. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, donnerait des signaux favorables pour un avenir au Real Madrid, alors que la confiance serait de mise au sein du club merengue. Alors qu'il assure être totalement concerné par l'Euro avec l'équipe de France et donc pouvoir repousser à plus tard les discussions au sujet de son avenir, Kylian Mbappé continue néanmoins d'alimenter les rumeurs alors que le Real Madrid n'attend qu'un signe du prodige du PSG pour passer à l'action. Si l'on en croit l'émission El Chiringuito et plus particulièrement le journaliste Pipi Estrada, Mbappé en aurait d'ailleurs déjà offert quelques-uns. Le prodige du PSG aurait notamment confié au Florentino Pérez son enthousiasme à l'idée éventuelle de se retrouver dans une attaque avec Karim Benzema et Eden Hazard. Avéré ou non, cette rumeur continue en tout cas d'alimenter un feuilleton Mbappé qui ne faiblira pas tant que le principal intéressé n'aura pas affirmé définitivement son intention de rester au PSG. Sinon les mecs, du côté du Real Madrid, ont mis d'ailleurs sur la patience pour voir ce dossier se débloquer. Selon Josep Pedrerol, le club merengue serait très confiant à l'idée de pouvoir conclure l'arrivée de Kylian Mbappé durant le mois d'août. L'été, en tout cas, s'annonce très chaud. Voici en tout cas les frérots pour cette petite vidéo mercato. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à lâcher votre petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment les mecs pour les 17 400 abonnés. Vous êtes les boss. Continuez de vous abonner, vous gérez, je vous kiffe. Et puis voilà les mecs, go les 30 000. Comme d'hab, likez, abonnez-vous, partagez aussi, que ce soit à vos amis, à vos ennemis, à votre famille. Vous êtes les boss. J'ai envie de vous dire au revoir, à la prochaine. Salut.